que nous pouvons voter pour. Moi, je vois que au fur et à mesure, la famille a rassemblé. Parce que ça fait tellement longtemps. Ok, Facebook. Facebook a des nouveaux objectifs. Je clique. Leave me alone. Ok. Puisque je viens de dire, ça fait tellement longtemps que nous pas présents sur les réseaux que la famille est vraiment gagnée. Donc, moi, content que la famille a rassemblé. Bonsoir. Et bonsoir, c'est le troisième live, là, je me dis. Sous pour la première fois sur Instagram, on a dit que nous sommes live à 11h30, à 2h30. Et ça, c'est dernier. Mon TikTok était là tout. Bienvenue encore une fois. Donc, là, on a parlé de sélection anglaise là, qui tape sur pour bien sortir. Dans la Coupe d'Europe face à la Serbie, l'Angleterre qui fait une victoire 1-0. Ils ont fait l'essentiel, mais je pensais que l'Angleterre jouait et à match et que si c'est comme ça ils vont aller dans la Coupe d'Europe, je ne bah, crois que ils ont privé jusqu'au bout. Bien entendu, c'est un premier match, il y a des leçons à tirer, il y a des notes que vous prenez, ils n'ont pas l'essayer, et bien améliorer les choses, corriger les choses, parce qu'il y a un talent pour ça. Donc, nous avons juste attendu nous rassembler sur Instagram, sur TikTok, nous avons fini. Eh bien, let's go Facebook pour nous parler de sélection anglaise. Là. Donc, l'Angleterre commence à tailler face à l'équipe la Serbie. Collectif anglais, nous n'avons pas de doute sur ça. Techniquement, il est très bon. Il y a un milieu de terrain qui est très huilé. Il a gagné de bons talents en attaque. Et puis, je veux dire tout, par exemple, c'était Kyle Walker. Et qui était là pour yo dans des faces là, c'était John Stones. Donc, des joueurs de grande qualité, de bonnes individualités. Et j'en dis là, d'autant plus qu'ils ont un très très bon collectif. Donc, dès que l'arbitre a un coup de sifflet, et pour match lancé, l'Angleterre tout à l'installer dans le camp équipe la Serbie. Donc, le ça, nous attendons à un match que l'Angleterre va survoler. Nous ne pas écraser, parce que c'est quand même la Serbie, avec de bons joueurs, tout. Mais nous, t'es pensé, vu la performance que nous avons dans les premières minutes, que son match que l'Angleterre va plier assez rapidement. Donc, mais ça, nous avons remarqué tout. Après ça, c'est que Serbio, yo, t'es bon à Dieu. C'est vrai que c'est pas une possession, c'est l'Angleterre qui t'a fait tout causer, mais yo, t'es resté solide dans Dieu. Donc, l'Angleterre, yo te gen ballon, yo t'a fait jouer là avec yon Jude Bellingham, un patron. C'est le nouveau patron de la sélection anglaise. Et gen moun mwen konnen ki pral di ke tro tam, pa ka getan mette Bellingham comme patron. Mais, en tout cas, pour match sa la, li montre gon passage au pouvoir ki ta supposé fait la sélection anglaise, dans le sens que c'est lui-même qui pral gagner pour prendre leadership là. Parce que c'est pas une question d'âge. Si c'était aux questions d'âge, d'ancienneté, par exemple, un joueur tant que Mbappé pas capitaine de la France. OK? Il pas capitaine de la France si c'était pour l'âge, il va chercher un trentenaire au Bali. Si c'était pour ancienneté, il va chercher un joueur qui a environ 10 ans qui a joué pour l'équipe de France au Bali. C'est vrai que c'est des critères importants et dans le leadership équipe ancienneté, expérience ou qui sont portés dans l'équipe là, est-ce que sont motivateurs, est-ce que sont leaders tous sur terrain en dehors de terrain, mais que des fois et pouvoir c'est pour comprendre. Et je pense que je dis Jude Bellingham lui voyait un message très fort by Harry Kane et qui c'est capitaine d'équipe là, il voit un message tout by Kyle Walker, monsieur ça a quitté là avant pour montrer que si on pas fait attention, si on pas mettez pied au terre. Désormais, le Real de l'Angleterre, on verra d'abord Jude Bellingham, qui prend la figure principale de l'équipe. Et déjà, dans la Coupe d'Europe, ça, c'est ça lié. L'on regarde, par exemple, affiches que médias internationaux, que ce soit télévision, magazine, journal, affaires, et 70% là-dedans, c'est Jude Bellingham, ils mettaient comme visage de l'Angleterre. C'est déjà un signal que vous voyez. Et je dis, sur terrain, Jude Bellingham commence à répondre à cela. On a obtenu des matchs, mais je veux dire là, il montrait que c'était le principal motivateur de l'équipe. Même là, il a l'impression que l'Angleterre était faux campé, mais lui-même, par là, monsieur, yo, encourager monsieur, en aller, pour ne pas camper. Donc, c'est vraiment une petite parenthèse que je me suis fait sous Jude Bellingham, qui, malgré son jeune âge, l'a imposé comme leader sélection anglaise. Donc, justement, et dans notre compte, le prochain point, c'est Jude Bellingham, justement. Jude Bellingham, que chercher en pile. Si c'est Declan Rice qui gagne ballon, par exemple, devant les faces, lui chercher jouer vers Jude. Si c'est Arnold, c'est vrai que Arnold plus aime jouer dans la verticalité du terrain.
Mais si le gon on choix axial là c'est Jude Bellingham et même monsieur devant leur besoin. OK, leur besoin appui, c'est Jude Bellingham que lié. Leur besoin font une de yo remise, c'est Jude Bellingham. Donc tout le monde cherche Jude Bellingham, li vini sans déterrer équipe là et nous t'a dit en dehors du terrain mais sur terrain tout c'est moun que chercher davantage le l'Angleterre gain ballon. Donc Jude Bellingham c'est lui-même, par exemple, qui fait Green Goal match justement récompensé. Goal arrivé au Japon. Et le moment où goal arrivé, l'Angleterre était vraiment abdominé la Serbie. Nous pensions que Jude, c'est après le premier buteur. Et que, par exemple, Saka ou bien Kane, et après le fait goal tout, par exemple, pour Anglais. Mais ce n'était pas le cas. Donc, heureusement pour yo, Jude Bellingham était après les devants dès la 13e minute pour dériver l'ouvrir score. C'est une passe de Kyle Walker qui a joué comme arrière latéral droit, qui a joué pour Bukayo Saka. Et puis, Saka l'a éliminé. Adversaire, c'était Pavlovic pour servir Jude Bellingham. Et Jude Bellingham qui est après fait et goal. Donc, pour l'équipe anglaise, c'est quatrième goal. C'est quatrième goal, mais c'est seulement 30 matchs. Il y a quelqu'un qui va dire 4 goals, oui, mais 4 goals, ce n'est pas 70 matchs, ce n'est pas 80 matchs. Et avec paquet de matchs qui gagnent à l'année, okay? En Europe, il est facile pour un joueur d'arriver dans 30 matchs. Dans le temps, pour jouer 30 matchs pour sélection, ou tu attends par exemple 5 ans, ou tu attends 7 ans, 8 ans, parce que ce n'est pas chaque année qui gagne une compétition continentale. Et c'est pas chaque année tout ou pas jouer match pour éliminatoire Coupe du Monde. Mais en Europe, tellement, par exemple, Ligue des Nations, on mettait match, on a match amical. Et ça qui fait que nombre de fédérations qui affilient à l'UEFA augmenté net, donc nombre de matchs augmenté. C'est ça qui fait tout, capable de record de sélection en Europe, qu'on a vu facile. Presque toute sélection, record c'est des joueurs actifs. C'est le cas pour la Croatie qui a un paquet de joueurs à plus de 100 sélections. C'est le cas par exemple pour Portugal. Ne parlons pas de Cristiano lui-même qui est en 200 sélections dépassées. Et c'est le cas pour le Danemark qui a plusieurs centenaires. Et centenaires, ce n'est pas que vous avez 35-36 ans non? Ou bien que vous avez 10-15 ans à jouer. Non. Non. Pour sélection, vous avez centenaires en termes de nombre de matchs parce que justement, chaque année, la quantité de matchs a augmenté. Et par exemple, lors de la Ligue des Nations. Et que passer pour Final Four, c'est des matchs en plus qu'on gagne. Et dans l'éliminatoire pour Coupe d'Europe, le fait que y ait plus d'équipes, y ait plus de matchs, dans l'éliminatoire pour Coupe du Monde, c'est la même chose. Et on voit que quantité, ok, match que joueurs européens ont gagné en sélection, joueurs sud-américains, par exemple, pas gagné, parce que l'Amérique du Sud, c'est seulement 10 équipes. C'est seulement 10 équipes. Et y a une Copa América, c'est entre même joueurs joueurs et puis y a environ deux mondes. Ou bien éviter aux quatre mouns. Donc, il n'y a pas la même quantité de matchs. Donc, c'est ça que fait, par exemple, Jude Bellingham qui a fait 30 matchs pour l'Angleterre, alors que dans le temps, pour te faire 30 matchs pour une sélection, à plus, il faut te faire un bon 4. Faut te faire un 4. En 3 ans, il n'est pas facile parce que pour te faire en 3 ans, il faut te jouer 10 matchs à l'année. Ça, qui pas là, qui pas existé. En tout cas, Jude Bellingham, bien servi par Bukayo Saka, c'est lui-même qui ouvre le score pour l'équipe. Et anglaise, notre 13e minute de jeu. Et après ça, après le gros action tout avec Trent Alexander-Arnold, que pas trop aimé jeudi. Hein. Bon, c'est vrai que le pas en position habituelle, qui c'est latéral droit, mais je pensais que offensivement, tu n'as pas tenu mieux de Arnold. Et parce que moi, je pensais le fait que vous mettez dans le terrain et que Kyle Walker là, c'est lui-même qui t'a alors amorcé offensive anglaise, cap sorti à droite. C'est pas que le parfait ou non. Mais il n'est pas fait de manière systématique, je ne prétends. C'est en alternance qu'il fait. Le Kyle Walker monté, il était pour le sécuriser derrière. Et là, c'est lui-même qui montait, Kyle Walker était derrière. Donc, il fait en alternance. Et donc, Trent Alexander-Arnold, et c'est lui-même, par exemple. Et nos actions, dans 20e minute, c'est pour la première fois que la Serbie est prête à montrer l'Angleterre qu'elle est capable de garder dans les yeux. Son ballon que Arnold a perdu. Et puis Zivkovic a récupéré pour servir Mitrovic. Alexander Mitrovic, avant-centre équipe et Serbien, malheureusement pour lui, frappe bien d'après le passé à côté. Mais nous soulignons pour montrer que 20 premières minutes, c'était le match de l'Angleterre. Donc la Serbie peut arriver dans le cas où véritablement pour mettre en difficulté, c'était
après 20 minutes, ça a fini de passer. Donc l'Angleterre était tranquille jusqu'à moment ça. Et Serbio, ils ont fini de prendre goal là, ils ont sorti tête, mais ils ont fait de manière disciplinée. De manière disciplinée, ils n'ont pas fait le retard découvert parce qu'avec la vitesse de Saka, la finition de Harry Kane, la vista de Jude Bellingham, si ils ont le côté bourré, ils ont quitté l'espace pour jouer Doyo, ils étaient capables de 3-4 goals et passer très laid. Parce qu'à 1-0 là, ou plus envie dit que l'Angleterre manquait que pour t'as dit que la Serbie, pas bon. Non. Je pense que c'est parce que la Serbie a une belle opposition de deuxième mi-temps tout à Anglais, qui fait que son victoire de 1-0 seulement que vous fait avec un goal qui vivait depuis le premier quart d'heure match. Et par exemple, dans notre 32e minute, ils ont possession 68% pour l'Angleterre, mais pas aucune action dangereuse que vous êtes capable de signaler. Aucune action dangereuse. Et puis, il parle beaucoup dur tout pour l'équipe serbe parce que Philippe Kostic, joueur Juventus en Italie, qui tape sur pied pour eux, il est blessé, remplacé par Philippe Mladenovic. En parlant de ça, je pense que remplaçant la Serbie, ils ont été fait une bonne rentrée et ils ont été bataille en pile pour la Serbie, ils ont été en vie dans un match pour la Serbie, pas pour Malet Gol. Donc, à la mi-temps, il y a des changements comme à côté de la Serbie. Milan Gudelj, que nous pas trouvé, dépassé par vivacité, par intensité que milieu terrain anglais a tapé. Donc, ils ont retiré Milan Gudelj pour monter avec Ilic. Ça a fait deux changements parce que des changements forcés, Jean Dabdil a fait deux premières mi-temps. Et puis, jusqu'à la 55e minute, nous avons suivi. C'est une bonne entrée en matière. Des Serbes parce que yo faut qu'ils aient été égalisés pour être vivants dans le match là. Malheureusement pour yo, goal ça pas jamais arrivé fait. Dans 59e minute, ils ont pensé que Brajan no penalty parce que Mitrovic dans surface là était déséquilibré par Kieran Trippier. Moi je pensais que c'était penalty, moi regarder arbitre là en avant, li pas bay penalty pour équipe Serbe là et pensais que Trippier pas de faute évidente vraiment sous Alexander Mitrovic. Son centre de Mladenovic. Mladenovic, c'est lui-même notre petit qui remplace Kostic pour Mitrovic, non duel avec Trippier dans surface réparation déséquilibré. Donc, tout monsieur Serbio t'a réclamé penalty. Arbitre là et communiqué avec l'autre arbitre qui est dans la vidéo. Et puis, il dit non, pas de penalty. Et au final, tout, Jordan Pickford t'a capté ballon. Donc, le ça, nous, t'es pratiquement à l'heure de jeu. Nous t'avons dit en la 60e minute, ça c'est un signal clair que la Serbie t'a envoyé par l'Angleterre pour dire que yo a toujours perdu, yo go la zéro, mais yo pral bataille pour yo au moins arriver sauver l'égalisation. Et puis, changement qui pral faire du bien encore, la montée de Dusan Tadic, Tadic qui remplace Mitrovic, ou encore Lulic, Lukic qui remplace Lukajovic. Donc, Monsieur Saoki, t'as pris le côté un peu de fraîcheur dans l'île offensive, surtout avec Tadic pour équipe la Serbie. Il a pris le secouer l'Angleterre. Il a pris le secouer l'Angleterre. Tantôt c'est Pickford qui a fait sauvetage, tantôt c'est John Stones, et tantôt c'est Kai Walker. Et parce que John Dabdil, il a une force offensive, il a gagné de très bons joueurs offensifs, il a bon dans balle aérienne. Donc, anglais, je pense que tu as des nouvelles là. Tu étais surveillé, par exemple, un joueur comme Vlahovic, très bien, parce que Vlahovic, n'a point fallu, c'est jeu de tête. Très, très bon jeu de tête. Et puis, après que l'Angleterre vienne apparaître un petit genre décadence, et la Serbie prend l'initiative de jouer là dans le meilleur, Gareth Southgate, généralement, par exemple, dans la Coupe d'Europe 2021, nous t'es critiqué l'Empire parce que équipe là qui doit paraître fatiguée, équipe là qui doit paraître demander ajustement, et puis il était là, la suivre, la suivre, la suivre. Je veux dire, ce n'était pas le cas. 70e minute, il retire Trent Alexander-Arnold et il mettait à Conor Gallagher, dans le tir, donc il était mettant 109 pour venir aider Declan Rice. Mais c'était surtout pour être capable de conserver le ballon et permettre à M. Deyo, les Stones, les Guerri, pour respirer un petit peu parce que la Serbie vraiment mettez pression sur. Et une action que moi prends parce que nous pas capable parler de Harry Kane, il pas fait un bon match. Et l'Angleterre fait bonne première mi-temps, mais c'est pas lui-même qui était aux avant-postes, c'est pas lui-même vraiment qui t'a créé dans géant, c'était surtout Bellingham, c'était par exemple Bukayo Saka qui était très remuant. Et Harry Kane, première sortie ça pour moi, il pas réussi et dans deuxième match il faut qu'il fasse mieux que ça. Parce que c'est quand même capitaine d'équipe là et c'est quand même principal buteur équipe là. Donc c'est au centre
et qui sortit de la droite, avec un gros duel dans le deuxième poteau, et avec Rajkovic, et puis voilà que ballon est allé sous transversal là. Donc c'est seule action côté Okadi, côté Kane t'es en position pour le marquer, mais Rajkovic lui intervenu dégager ballon ça l'aller sous transversal là. Après ça ou pas je rien, et pour Harry Kane nous pas le critiquer parce que qu'importe joueur capable de rater qu'importe match, quel que soit statut joueur, quel que soit calibre joueur et qualité talent, et ou pas, n'est pas facile pour nos tournois pour bon pour très bon dans toute match. D'autant plus que ça, c'était le premier match là. Et Harry Kane capable toujours reprendre lui dans les prochaines sorties. Et n'est pas déçu moun avec l'Angleterre. Donc, c'est il est posé jusqu'à ce dernier brassard là. Mais c'est capitaine d'équipe là, n'est pas déçu moun en Angleterre. Je dis, il n'est pas fait un bon match. Mais peut-être que dans deux autres matchs, nous avons l'autre Harry Kane. Une autre Harry Kane, parce qu'il compte le football. C'est mon buteur qui est campé devant Captain Ballon. Il est capable de participer dans la construction action offensive. Il est capable de faire décalage, il est capable de dézoner, il est capable de décrocher. C'est tout ça, Harry Kane. Donc, on attend tout ça dans, justement dans les prochaines sorties. Et puis, c'était comme ça. La Serbie, et c'est vrai que je me félicite parce que tu as résisté à l'assaut anglais en première période. Dans la deuxième mi-temps, la critique que j'ai pour eux, c'est que ou pas capable. Jouer une possibilité pour jouer au football ou bien ballon face à l'Angleterre pendant un moment et puis pour pas concrétiser. Yo pas concrétiser, c'est vrai que Pickford fait deux trois interventions, mon pas qu'a dit que la Serbie est arrivée, yo créé deux occasions de goal clair et que yo pas profité. Yo te manqué précision dans dernière passe. Et des fois tout te gon précipitation et dans niveau et monsieur devant yo, les Tadic par exemple, les Vlahovic qui fait que dans le moment pour yo tirer, yo fait passe, c'est bon pour yo fait passe se tirer. Donc, t'es grand pile imprécision dans la dernière phase action yo pour la Serbie. Et par exemple, dans la 82e minute, yo arrivé dans la défense anglaise et ou bien pression que Tadic Chapton, est-ce que c'est pour tirer ou pas, jusqu'à ce que Jordan Pickford anticipe pour capable dégager le ballon. D'ailleurs, Jordan Pickford, son portier qui est très très bon sous Lille. Et puis, c'est comme ça que le match a fini. La Serbie a poussé et l'Angleterre contentée qu'on a dit OK, nous avons moins de 10 minutes de la fin. OK, du temps réglementaire, on a perdu pour 1 à 0, c'est pour une partie qui est facile. Donc, l'Angleterre dit tête OK, donc là, nous allons gérer 1-0 et c'est ça qui a été fait. Et par exemple, Mitrovic, qui fait Fulham en Angleterre, et qui fait Newcastle en Angleterre, qui connaît Jordan Pickford et très bien. Il était essayé avant que dans match, mais il n'a pas joué une brèche là. Il y a un joueur, par exemple, Kuruzan Tadic, qui était joué tout en Angleterre. Donc, ils se connaissent en quelque sorte. Je pense que et pas que trop de satisfaction pour l'Angleterre par rapport à deuxième mi-temps. Mais attention, son tournoi que lié, ou a fait jouer trois matchs dans le premier tour. Après, ça aurait été huitième de finale, ou était quart de finale, demi-finale et finale. C'est six matchs. Donc, dans six matchs, même si tu as gagné tout 1-0, 1-0, 1-0 avec champion, ou pas obligé de faire 3-4 goals, c'est pas la première ligue anglaise. Donc, il n'a pas brillé, il n'a pas de belle passé ça, mais il a fait l'essentiel. Et il y a des joueurs que tu n'as pas tant mieux que il n'a pas qu'on répondre. Je pensais que l'Angleterre, en attendant, il a fait travail là. Et son Coupe d'Europe qui a déroulé la première journée là, jusqu'à maintenant, pas de surprise parce que c'est la faute de récapitulation. L'Allemagne, pays organisateur, et qui c'est une favori, une première sortie. D'ailleurs, c'est lui-même qui fait plus de goals jusqu'à maintenant dans le tournoi. Il était passé au Écosse 5 à 1. Et l'Espagne, par exemple, face à la Croatie, il a gagné l'équipe croate là. Et bon, la Croatie, si n'est pas le favori, mais le capable aussi sérieux outsider, mais l'Espagne, c'est favori, l'Italie gagne tout. Yon équipe tant que l'Italie pas brillé. Pendant que dit l'Angleterre pas brillé, l'Italie pas brillé face à l'Albanie hier, mais yon fait l'essentiel, yon gagne et l'Angleterre fait même bagarre. Maintenant, on a pas arrêté tant parce qu'il y a quand même des favoris que nous pouvons voir. Nous pouvons voir la France, nous pouvons voir Portugal, la France, nous supposons voir demain. Donc, bien avant que moi, j'étais dans la France, ben, me rappeler nous comment l'Angleterre, alors pas prêter la France, la France c'est pour demain. Nous allons faire un rappel de ça qui passait jeudi parce que c'est pas tout le monde qui était levé bonheur pour aller dans la Hollande face à la Pologne.
Belle Papi, la Hollande Gay, ou encore qui était dans Danemark et qui t'a joué contre Slovénie. Donc, équipe anglaise, c'est Jordan Pickford qui était dans le goal pour aujourd'hui. Et on y a latéral droit Kyle Walker, et on y a latéral gauche Kieran Trippier, et puis Mark Gay avec John Stones, c'était la défense centrale. Dans le terrain, il y a Declan Rice avec Arnold, Trent Alexander-Arnold, c'est dû au sac qui était devant la défense là. Et puis, devant le tout, dans le terrain, il y a Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka. Pendant ce temps, tu as parlé de Harry Kane. Et Foden, nous pas senti-t-il, est-ce que c'est pas positionnement qui fait défaut? Et le fait que tu mettais le deux à gauche, est-ce que si tu étais en position un peu plus axiale, ça pas t'a aidé? Mais là, côté une compliqué pour Southgate, là, mettez Foden dans leur position, qu'est-ce qu'on va faire avec Jude Bellingham? Est-ce que tu as pas mis Bellingham comme au 9,5 parce qu'il est capable de jouer comme ça tout? En tout cas, faut que les gens fassent pour le mettre et Foden dans de meilleures conditions parce que je dis à nous. Foden pas fort, Kane pas fort, et Saka t'es qu'a fait mieux. Pour moi, et n'a quoi tu Saka et Foden, Harry Kane, Jude Bellingham, c'est Bellingham qui a répondu. Et c'est peut-être ça qui explique tout sur seul green goal là que t'es fait. Parce que si deux coups d'oeil t'as marché véritablement avec un latéral qui est aussi offensif que Trippier et Foden, et pour passer sous l'aile gauche et faire des doublements, rentrer dans l'axe pour tirer, chercher brèche, chercher occasion. Pour ça, quand tu as fait même bagarre à droite, l'Angleterre était capable de faire plusieurs goals. Deux, trois goals, par exemple. Comme notre monsieur n'a pas répondu, et c'est seulement Jude Bellingham. Merci, Jude. C'est comme ça. Et j'aime dire Foden, Jude Bellingham, avec Bukayo Saka, Trio ça, et qui est à jouer, et notre dos, Harry Kane. Et puis, bah, quoi, besoin à Chita là. Et pas mal Chita, mais qui est-ce qui a joué pour la Serbie? Donc, merci à tous pour qu'on suive moi sur Instagram, là, parce que le prochain que vous m'avez gardé, nous, là, suivre moi. Merci à tout le monde qui suit live, là, tout. Sous TikTok, tout le monde sur Facebook, qui a commenté, et qui a partagé, qui a fait étoile. Merci parce que nous supportons l'initiative, là, et c'est ensemble de live qu'on a fait pour vous pendant la Coupe d'Europe. Là, nous pas fait promesse que nous ne pouvons pas faire. Nous pas dire pour combien de temps. Que projet là, en tout cas son projet qu'il a pour Coupe d'Europe et la Copa América, donc son projet qui démarre le 14 juin et nous à bataille pour nous rester avec jusqu'au 14 juillet. Et le Copa América a commencé, n'a pas gagné live dans la soirée tout, parce que là nous fait live la journée. Premier live là c'est à 11h30 le matin, deuxième là c'est à 2h30 de l'après-midi et dernier c'est à 5h30. Mais ceci c'est jusqu'à jeudi, vendredi. Argentine, Canada. Donc, après football de la soirée de la Copa América, nous avons l'autre live, nous avons fait à 7h30 du soir vendredi et nous avons live tout à 9h30 après l'Argentine vendredi. La seule différence, c'est que pour Copa América, nous pas live sur Facebook. Nous avons live sur YouTube, nous avons place Facebook là, mais nous avons toujours sur Instagram et nous avons toujours sur TikTok. OK, rappel de la journée. Des fois, madame, il faut me faire rappel parce que c'est trois matchs par jour. Que nous gagnons notre Coupe d'Europe. Le premier match, c'était la Hollande qui a joué contre la Pologne. Si Robert Lewandowski était là, nous t'avons dit que c'était vraiment un duel à armes égales. Mais le fait que Lewandowski n'est pas là, c'est un gros handicap pour l'équipe polonaise. D'ailleurs, Lewandowski, c'est meilleur buteur histoire la Pologne. La Hollande donc, qui bat par 2-1, bien que c'est Polonais qui était l'ouvrier score par Adam Bouska et sous un corner. Mais là, on a un trio qui n'a pas de problème. Il y a chaque moment pas. Il n'y a pas de briller en même temps. Par exemple, première mi-temps, c'était la première période de Cody Gakpo, joue à Liverpool. Il n'y a pas trop temps de jeu dans Liverpool, mais je dis à le délivrer, papa. Et puis, Xavi Simons, baptême de feu dans le grand tournoi, mais c'était correct. Ça ne pas oublier Memphis Depay. Depay était moyen en première mi-temps, mais il a levé le niveau en deuxième mi-temps. La Pologne était défendue pas, par exemple, la première mi-temps. Yo, t'as pas un petit relâchement tout dans la deuxième mi-temps côté que t'as perdu pas mal de ballons, mais ça moi-même, moi conclue c'est parce que yo t'as cherché et pour yo t'as fait break là, donc pour yo t'as créé surprise en sous équipe néerlandaise. Donc là on a raté plusieurs occasions, Denzel Dumfries raté deux, yo raté une avec Gakpo, yo raté une avec Memphis Depay, parce que si yo t'as un petit casse plus
efficacité, yo t'a fait plus que deux goals dans un match ça. Et puis comment yo pral rive sorti? Alors Gakpo, comme dit ça, Cody Gakpo c'est lui-même qui était égalisé pour la Roden 1 à 1. Goal victoire là, son changement que Ronald Koeman pral fait, Vegos parce que là ouais, Gakpo, Simmons, Depay, monsieur a gaspillé opportunité goal yo, il dit OK. Bah le temps là. Li cherche yo bon finisseur, li pa de goal neuf type. So, li meton neuf type nan match ki se Wout Weghorst. Et 3 minutes apre, Wout Weghorst bal rezon paske li tap pral fè goal victoire nan pou la Hollande ki bat la Pologne 2 à 1. Et puis l'autre match ki te genye, Mathéa, c'est Dagbark ki tap jou kontre la Slovénie. Dagbark avec Christian Eriksen ki li-mèm ki tap pral louvri score pou yo. Et nous te fons belle regarder sur ça, Mathéa. Sous pas regarder live, Mathéa, ou quand regarder. Live, non. Nous connaissons notre deuxième live, nous te fait regarder. Hein? Live 2h30 là. Côté que nous t'a parlé de Christian Eriksen, milieu de terrain Manchester United, ça, qui c'est un pion tellement important dans le dispositif danois. Donc, il a joué Danemark, qui a joué face à l'équipe Slovénie. Hein? Donc, le match qui finit, yon goal partout. J'en dire que ça a excellent le score, mais Danois, yon te manque efficacité et puis yon te pas baissé tout. Parce que physiquement, par exemple, yon te baissé dans le match. Et puis, Erik Janza te égalisé pour la Slovénie. Et Yann O'Black, pendant que je dis que Danois a gaspillé l'opportunité, Yann O'Black te fait plusieurs interventions décisives pour la Slovénie. Donc, là, Yann O'Black fait intervention décisive ou pas grand yon qui a dit que c'est tout à fait normal parce que c'est Yann O'Black, goalkeeper Atlético Madrid. Donc, hier nous avons à 16 goals. Et je veux dire, là, matin, nous avons 3 goals dans Hollande et Pologne. Ça fait 19. Nous venons gagner 2 goals dans Danemark. Ça fait 21. Et puis, l'Angleterre, bah, nous avons un goal. Ça fait 22 goals qui est en fait. 22 goals pour 7 matchs joués. Donc, jusqu'à présent, son Coupe d'Europe qui bat nous en pile goal. Et c'est seul et match l'Angleterre, ça, l'Angleterre Serbie qui bat nous yon green goal seulement. Et puis, la poursuivre demain avec rendez-vous intéressant. Et donc, demain, on a toujours même grille de programmation pour live. Yo. Ça veut dire que n'a pas 11h30 le matin, n'a pas 2h30 de l'après-midi, et puis à 5h30 de l'après-midi pour dernier live journée. Donc, on a parlé de programmation pour demain, côté que n'a pas joué dans le groupe D. Est-ce que vous avez dit ça? Ok, je ne parle pas groupe parce que dit dans sens inverse. Demain, l'Autriche a joué face à la France, c'est près à 3h. Je vais voir Mbappé. Je parle avec Kylian Mbappé parce que Mbappé fait des déclarations fortes. Bon, ça, c'est sa personnalité. Il a toujours dit ça, le passé clairement. Donc, Mbappé qui souhaitait remporter la Coupe d'Europe avec la France. Je pense qu'il y a des gens pour ça, il y a des potentialités pour ça. Ce n'est pas l'équipe de France qui était là en 2021 que la Suisse est venue créer sa société. Et bien que la France, c'est coaching des chantiers éliminés. Mais son groupe qui fait deux finales de Coupe du Monde. Qui est là, donc la France est un sérieux favori. Et toujours mettez l'Angleterre comme grand favori. Et si ma suis dans la phase de problème, je vais retirer le nom tout parce que tout favori, c'est après la compétition commencée. Depuis la compétition commencée, c'est pas dans match, c'est dans la réalité, c'est sur le terrain. On parle qui est-ce qui favori véritablement parce que favori, c'est sous papier. Mais c'est pas dans tournoi, c'est dans le rendement performance équipe. On parle qui équipe qui gère l'adversité mieux. Ki ekip lèl nan problem nan match, lèl nan difikultè ki pa pren 2-3 gol, ki pa kase, ki ekip tou ki pa bezon 15 okasyon pou l'fè 3 gol. Se ekip ki gen gol ki pe solide, se ekip ki gen yon lider par li, yon defanseur kapab ou lateral ou defanseur sentral, ki la pou kolmate brech, pou motive, e pou la fèbe espas, pou la pekouraje ko ekipye lyo, son milieu terren, e ki util defansiveman, util ofansiveman, Jean Bellingham de jodi ya, le y a défendu besoin il est là dit beaucoup Declan Rice le a attaqué il a besoin il est là il dans deux Harry Kane. Donc c'est équipe tout qui gagnait plusieurs joueurs qui capable bon goal dans le sens que sous ou museler ou gérer attaque comme non ou faire espace dit pas qu'à passer mon milieu terrain qui capable bon goal mon latéral qui capable font bon centre débloquer situation mon des pieds sûrs pour balle arrêtée pour bon coup franc
C'est l'équipe ça qui est champion. Et ce n'est pas l'équipe qui gagne plus belle joueur que toujours. Il compte ça, oui, mais pas toujours ça. Ce n'est pas l'équipe qui gagne plus belle football que toujours. Là, ça fait, nous dit pas bravo, nous content. Par exemple, en 2010, l'Espagne était une superbe équipe dans la Coupe du Monde. C'était beau à voir, à regarder. Ce match, c'était plaisir seulement. Mais pas toujours comme ça. 2018, pour moi, la France pas de plus belle football que la Croatie. Mais c'est la France qui est champion. L'Argentine. 2022, pas de plus belle football que la France, que l'Angleterre. C'est l'Argentine qui est champion. Donc, favori, bah, l'Angleterre, qui est belle pour les courses. Ma suivi, il est tôt. Donc, rendez-vous l'Autriche, la France, c'est demain à 3 h. Par contre, pour que ça, on mette match à 3 h parce que le matin, il y a plus d'énergie. Et puis, demain tout, nous avons Belgique qui a joué contre la Slovaquie. Belgique-Slovaquie, hein, c'est à midi. Que la fête dans le groupe E. Et donc, demain, nous gagnons affiche. Ça m'a pas dit parce que bien by affiche. M'a pas dit parce que bien by affiche pour ne pas mélanger là. Donc, ma propre affiche. L'Autriche a joué contre la France demain à 3 h. Il y a à 9 h du matin, dans l'ordre, à 9 h du matin, Roumanie a joué contre l'Ukraine. À midi, Belgique a joué contre Slovaquie. Et puis à 3 h, l'Autriche a joué contre la France. Kouniambayo de l'ordre, nous pas qu'à brouiller. Et Jean-Hervé Boulay, dit son trop bas. Moi, expliquer ça dans chaque live que je fais. Je continue à expliquer ça. Live que vous regardez là, son projet que nous lançons jeudi 13 juin dans la soirée. Jeudi 13 juin, OK, que nous lançons projet ça parce que, par exemple, équipe Marim. Chichi, faut qu'on fasse bagaille parce que nous avons des pots. Donc, nous pouvons apprendre physiquement, que ce soit dans sonorisation, nous concernons de ça, dans éclairage, dans qualité d'image, nous concernons de ça. Mais moi-même, dès qu'on équipe qui fait rentrer dans la compétition, nous pouvons avoir un rythme normal. Mais ça viendra. C'est ça que je promets. D'ici Copa América là, d'ici vendredi, toute bagaille a amélioré parce que nous avons préparé pour ça. Donc, on travaille dans l'ombre, que l'équipe l'a fait, que vous pas ouais, que vous pas pour tout. Moi, pour changement de qualité produit que nous allons offrir là. D'accord? Ok. Nous connaissons toujours remercier sponsor et Showa. Showa, même nous beaucoup gagné. Ok? Même nous avons proposé ma pile d'onde, ma pile dans la tête, moi. Même nous beaucoup gagné. Et une des raisons qui fait que nous beaucoup gagné, c'est parce que son show qui est adapté à la programmation match. Donc, nous pas gagné un horaire fixe. Nous, pour le moment, nous 3 fois par jour, 11 h 30 dans le matin, 2 h 30 après-midi et 5 h 30. Dans Copa América, dans la place, et dépendamment de horaire match Copa América, donc c'est ça qui fait que nous pouvons gagner, non, mais nous juste les accompagner. Merci à Accident Résolution. Mon qui sur Facebook, nous est hier, c'est website, tu vois, www.accidentresolution.info. Donc, si vous ici aux États-Unis, donc ou en Floride, par exemple, ou impliquez nos accidents, qui ont besoin de support pour faire procédure légale, pour faire des démarches médicales. Il y a des gens dans ça. Il y a des experts qui peuvent aider. Ou capable de les aider dans 239-634-94. Et puis, il y a des aides. Et puis, l'autre lien, c'est Chichi Store. Et chichistore.net. Monsieur, a bonne pression là pour finaliser le website là. Mais nous avons ça coupe d'Europe tout le temps. Là, mais moun kap suiv mwen sou Instagram, pas vrai? Moun sou TikTok, moun sou YouTube et Facebook. Mwen YouTube, moun nou wè que depuis me réveiller, c'est dans coupe d'Europe moyen jusqu'à très tard. Donc, mwen poko vraiment gèt pour finaliser le website là. Mais m'a essayé de faire ça là dans ce maintenant avant Copa América. Donc, gen mayo ki disponib deja, gen mayo kap disponib semen posen. Wap kap re ou sou website la, men si ou estime komplike tou, baban nan zot e website, etc., mette kartou, mette informasyon, ou kap abre le nou nan 954-868-6997 sou bezwen mayo Brésil, mayo Argentine, Portugal, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Se ekip nou site la ou nou gen mayo, nou pa lache mayo Slovénie, epi nou pou nou pa achil. Tane pa lache mayo Serbie, epi mwen mette. Nou, mwen pa jvon mayo Albani, e pi se mwen kap meten sou mwen apre. Donc, se mayo ekip nou plus kreme yo, ke nan ap gen sou website lan, gen nan yo ki gen ta disponib. Donc, ou kapap toujou, tekst nou, ou bien rele nou, 954-868-6997. Moun ki Haiti kap bezo ache mayo, mache bonheur, paske nan ap gon sol livrezo kap fet an Haiti, nan mwa juen, nan ap gon sol livrezo nan point fix kap fet an Haiti. Ape sa, moun etan suli, pa problem, nan ap ofri ou shipping nan.
gratis. OK? Merci tout le monde qui t'a partagé live sur Facebook, qui commentait. Voyez étoile. Facebook dit comme ça que je suis supposé faire 5000 étoiles. Donc, dégagez nos voyez étoiles. Merci pour toutes étoiles, des milliers d'étoiles que nous avons là. Merci. Mon TikTok, même si TikTok, mon TikTok, ça gueule là. Qui est ce gueule là? Et puis, Instagram, on peut aller. Donc, merci Delfort. Et Delfort, c'est coordonnateur général Shoa, c'est assistant personnel, moi tout, parce que. Des fois, ils sont tout couillots. Ils sont une sorte de motivateur que j'ai pour moi tout. Des fois, un petit peu fatigué. Mais des fois, ils ne sont pas jamais fatigués. Merci, des fois. Greg Bull, par exemple, le nous finit faire live, nous sommes capables de montrer des extraits que nous mettons sur TikTok, que nous mettons sur Facebook et sur YouTube. Là, tout. C'est le travail Greg Bull et tout le travail technique coordonné par Greg Bull. Merci à toute équipe qui travaille pour le site côté que nous avons fait choix. Parce que là, c'est temporaire, c'est pas provisoire que nous faisons. Mais le gros site que nous avons construit pour nous faire choix de manière agréable, pour nous belle, pour nous sonner. Donc, merci à cette équipe aussi. Et songez que sous États-Unis, sous Haïti, ou bien plus si vous avez besoin de faire promotion dans le choix, parce que je crois pas que c'est comme ça, nous avons besoin de faire le sponsor nous, de nous finir parler. C'est écrit nous ou bien relayez nous dans 954-868-6997. Donc, nous allons parler encore une fois, merci. Prochain live, je vais vous louer nous. Je vais vous donner un rendez-vous demain à 11h30. On se retrouve le matin live sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram en même temps. Nous connaissons trois devices que nous avons, donc je vais faire mes lives en même temps. Je vais faire Facebook avant, Instagram en deuxième et puis TikTok en dernier. Ok? Merci encore tout le monde Facebook. Donc, on se demain à 11h30 le matin. Ok? Et